Un sport qui décoiffe. Ce championnat de moto de course au Kenya rassemble les meilleurs motards du pays. La compétition prend place sur une route habituellement calme à la périphérie de Nairobi. Les motards peuvent atteindre des pointes jusqu'à 300 km/h. Selon les organisateurs, les conditions de sécurité de ce championnat, créé en 2003, s'améliorent chaque année, sans perdre l'adrénaline de la course. Avant, on avait des niveaux d'excitation dignes d'un jeune garçon qui vient d'obtenir un nouveau vélo. Il y avait beaucoup de plaisir et beaucoup de bruit dans le public. La sécurité était à la discrétion des individus. Mais avec le temps, nous nous sommes mieux organisés et nous avons obtenu plus de matériel. Malgré les nouvelles règles de sécurité, le danger est bien présent sur le circuit et c'est cela qui attire le public. Que puis-je dire? C'est absolument génial. Ces motos sont rapides. Je n'ai jamais rien vu d'aussi rapide sur la terre ferme. Si vous ne venez pas ici, vous passez à côté de la vie. Depuis 5 ans, ce sport se popularise à toute allure et aucun signe de ralentissement n'est perceptible. L'Association des motards du Kenya espère pouvoir organiser l'année prochaine 4 courses par an et surtout un championnat international. À partir de 2016, nous allons commencer un championnat. Vous savez, comme ils font à l'échelle internationale. Et nous avons jusqu'ici identifié 4 routes que nous pouvons utiliser confortablement. Vous le savez, ces dernières années, nous n'avons fait que poser les bases et déterminer les routes à utiliser. Donc finalement, nous avons pu identifier 4 routes qui nous permettront de créer un circuit. C'est ce que nous recherchons, pas seulement une course par an, mais un vrai circuit de championnat avec un vrai gagnant. Ce sport attire de plus en plus de fanatiques au Kenya et les organisateurs parviennent à attirer des partenaires internationaux, si bien que le pays est déjà résolument en route pour un championnat d'envergure internationale.